Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Kingdom Come Deliverance. Alors, au dernier épisode, nous avions sauvé Esther, on avait retrouvé Florian et il nous avait parlé d'un mec qui suivait qui s'appelait Rabota. Donc on a patienté un petit peu, il s'avère que le jeune n'est plus chez lui. Donc il a dû me passer sous le nez pendant que j'étais en train de regarder le ciel pendant 2 heures à rien faire. Donc on va aller tout de suite jusqu'à son travail, parce qu'il doit être là-bas. Et l'objectif, c'est de tendre un piège à Rabota. Ensuite, ce qu'on fera, c'est qu'on ira retourner voir le chevalier là. Oh merde, je me trompe à chaque fois pour ce truc. Et ensuite, on ira s'occuper des faussaires. Donc c'est parti. Alors, en espérant qu'il ait eu le temps d'arriver jusqu'à son travail, le petit jeune là, le petit Florian. Ouais, on va passer directement par là. Normalement, ça nous permet d'y aller. Damnation ! Si vous ne savez pas monter, abstenez-vous, espèce de sot ! Je veux juste voir c'est qui ce mec. C'est juste un villageois, d'accord. Alors je me disais s'il faut c'était le type qu'on cherchait vu qu'il se dirigeait vers là où l'autre travaille. Bon allez, baissons la tête. Bon, alors, est-ce qu'on voit quelqu'un à l'extérieur? Non. C'est vrai qu'on n'est pas hyper discret quand même, mais. Le voilà. Que Dieu t'accompagne, Henri. Mais je peux pas lui parler. Bonjour maître. D'accord, donc si je peux pas lui parler. Vous êtes sûr que c'est pas lui? Je peux lui parler, je peux pas lui parler non plus. Et parmi les types qui sont là, ça doit être juste des villageois qui doivent tenter leur truc. Hein. Au cop. Vallée de ferme. Ouais, mais ça doit être une petite quête, mais désolé, j'ai d'autres choses à faire pour l'instant. Bon, du coup, je sais pas du tout où est ce type. Alors, il disait qu'il le suivait, au travail et puis il observait sa maison en fait. Bon, j'ai pas spécialement envie tout de suite d'attendre. Donc bon, ce qu'on va faire, c'est que du coup, on verra si on peut pas s'en occuper plus tard. On va retourner voir Ulrich. Hé, le revoilà. Ça, par exemple. Henri, par ici. Vous voulez, les mecs. Fritz et Mathieu. Ah, mais c'est nos amis, je crois. Oh, je vais vous parler, allez. Il nous ignore, hein. C'est nos amis, quand même. Je suis tellement heureux de te voir. Ah bah oui, on savait pas qu'il était en vie. Fritz, vous êtes vivant. Évidemment qu'on est vivant. Personne ne peut se défaire de nous aussi facilement. Je sais pas pourquoi je suis si heureux de savoir que vous vous en êtes tiré. On se porte bien, mais on a quand même failli y rester. Ouais, ça a été dur. Fritz s'est enfui comme une fillette. Vraiment ? Sornette, t'es un vrai guignol. Raconte-nous ce qui t'est arrivé. Moi aussi j'ai eu droit à un passage à tabac dans les règles de l'art. Quand je suis revenu à moi, j'étais déjà à raté. Toi non plus t'arrives pas à joindre les deux bouts, hein? Oh, ça va. Je suis devenu l'écuyer du seigneur Hatzig. Je vois, tu as monté les échelons. Et vous, comment vous en sortez-vous? C'est la merde. Tu l'as dit, on est encore entaillé de partout. On doit un paquet de sous au monastère. Et ici, il n'y a pas de travail. Du moins, pas pour quelqu'un avec un semblant d'intelligence. Le travail et vous, ça a toujours fait deux. Mais ne venez pas me dire qu'ils ne cherchent pas de charpentier. Le monastère est en pleine reconstruction. Ils peuvent pas nous voir en peinture. Pourquoi? Et il n'y a rien d'autre dans le coin. Eh, mais toi, t'aurais pas des connaissances? Vu l'état de la situation, ça serait pas de tout refus. Ben oui. Je peux toujours demander, mais je ne vous promets rien. Merci, Henri. On te revaudra ça, tu peux en être sûr. Ok, bon, on va peut-être pas le faire immédiatement, mais on le fera probablement en revenant derrière. Alors, qu'est-ce qu'ils savent faire, déjà? Et dans quelle branche pourrait-on vous embaucher? Eh bien, on était charpentier dans les mines. Donc un peu partout, ça travaille le bois. Oublie le bâtiment. Après Scalice, personne ne va plus reconstruire pendant un moment.
Sauf ici, à Sasso, mais on n'est pas les bienvenus. Le mieux, ce serait dans un moulin. Les gens ont besoin de manger, quoi qu'il arrive. Dans l'idéal, un minimum de travail pour un maximum d'argent. Ah bah bien évidemment. Qui d'autre parmi nos proches s'en est sorti? Jeanne est au monastère. Cette fille ouais, nous a rendu de grands services. On l'a déjà vu. Mais on ne sait rien d'autre. Pendant notre fuite, on a porté secours à Thérèse. Pas de temps savoir où elle est maintenant. On s'est séparés. Ah mais c'est... Non, c'est elle qui Thérèse, m'a sauvé. Thérèse, je lui dois ma vie. C'est elle qui m'a emmené au moulin de Rathay et m'a aidé à me remettre en selle. Ah, ça me fait plaisir. Puisque vous êtes si proche, essayez d'aller lui demander si elle n'a pas du travail pour nous. Ouais, pourquoi pas. Ok, bon, pour l'instant, désolé mec, mais on a des chats à fouetter un petit peu plus importants que vous trouver un job. Et on le fera rapidement après. Alors, merde, il est pas là l'autre? Il doit être en bas. Même pas fait gaffe. Il doit être par là. C'est pas lui là en armure? Bien sûr que si, c'est lui. Ah, ça c'est en anglais. Je crois savoir à quel endroit les faussaires récupèrent les matériaux du monastère. Où ça? Dans les collines, près des bois de Sasso. On y va tout de suite? Il me faut plus de renseignements. Je ne sais même pas si quelqu'un s'y trouve actuellement. Mais vous pourriez faire le guet, au cas où quelqu'un arriverait. Entendu. Mais sinon, c'est... Voilà. Enfin, j'apprends où les faussaires ont installé leur atelier. Maître Feffard avait raison. Les faux monnayeurs restent proches de leur source d'approvisionnement. Leur atelier se trouve quelque part dans les mines. Je sais qu'il existe une deuxième entrée en empruntant d'autres galeries. Jamais ils ne s'attendront à ce que quelqu'un vienne les surprendre par derrière. Mais, même en les prenant par surprise, j'apprécierai quand même votre compagnie. J'en serai ravi. Passez devant. Ok, donc du coup, on va faire un voyage rapide ou... Ça m'étonnerait... Je pense qu'on va être téléporté là-bas direct. Ok, alors, juste avant, autre chose. Un petit schnapp du sauveur. Voilà. On a gagné un niveau en alcool. Oula. Bon, moi, je vais dégainer direct mon épée. Non, peut-être pas. Eh bien, hey. T'avances ? Que diable ? Je pense qu'il a mal réagi au fait que j'avais mon épée dégainée. Ouais, mais le problème, c'est que là, moi, j'y vois rien, quoi. Voilà, on va le laisser avancer, peut-être, plutôt. Non? Ah bah, a priori... Bon, ça va, on y voit quelque chose ici, ce qui est pas très logique, on devrait rien y voir. Oh putain, j'y vois que dalle. Le problème, c'est que... Non, j'ai plus rien pour y voir la nuit. J'ai pas le sort du Witcher pour y voir dans le noir, donc ça marchera pas, ça. Ok, une petite torche. Ce serait bien de pouvoir ramasser les torches. Il est toujours derrière nous. On va essayer d'avancer. Bon, là, j'y vois définitivement plus rien du tout. Oh putain! On est dans le noir! Je sais même pas si l'autre il me suit là. Non mais là, ça c'est. Hop là. Il y a quelque chose là. Bon sang. Ah oui, mais. Regardez même... où. Ah mais c'est lui, d'accord. Soyez un peu. Pas la moindre idée d'où je suis. Ah, il y a une flèche là. Attendez, je vais faire un truc. Je vais augmenter un peu la correction gamma parce que j'y vois vraiment que dalle. Je l'enlèverai après. Ah ouais, non. Ah, utiliser l'échelle, voilà, c'était ça qu'il fallait trouver. Et c'est une façon de devenir Nyctalop. Augmenter la correction gamma. Ah oui, d'accord. En plus, c'est un puits assez profond. Il me suit l'autre ? Je sais pas.
Là, au moins là, on va y voir quelque chose. Ok. On va mettre la correction gamma. Là... elle est pas mal. Voilà. La prochaine fois, il faudra que je pense à prendre une torche. Là, c'est des... ah, c'est vraiment un puits assez profond, c'est impressionnant. Bon, l'autre, je sais pas du tout s'il nous suit, par contre. A priori, on est au bon endroit. Elle est où, mon autre échelle? Ok. Donc, le puits, c'est fait. Oh merde. Là, je pensais que ça serait éclairé jusqu'au bout, moi. Obligé de remettre le correction, désolé. Là, tu ferais presque limite que j'avance comme ça, juste pour être sûr que j'avance dans la bonne direction. Ok. Alors, à droite ou à gauche? Il n'est pas censé y avoir un marquage à la craie. Attendez, si je regarde dans mon journal de quête... non, ça me dit rien. Il y avait un truc comme ça, mais bon. Partir, passer sur la droite pour voir. Par contre, l'autre, on l'a complètement perdu, quoi. C'est... ah! Ah merde, on a une sortie par là. Attends, je vais juste voir. Merde, c'est... non, c'est pas... c'est pas la sortie où il y avait les mecs. D'accord. Une autre sortie. J'aimerais juste voir s'il n'y a pas une torche qui traîne. Non. Voilà qui est bien triste. Ah bah le voilà. Putain, il m'a fait peur ce con. Donc du coup, on revient en arrière. Et cette fois-ci, on tourne à gauche. Yeah. What? C'est fermé? Mais... ah, j'ai dû rater un truc. Vraiment, on peut pas ramasser les torches. Bon, ça veut dire que je suis pas allé au bon endroit, en fait. Il y a un moment donné où... elle est probablement bifurquée quelque part et je l'ai pas vu. Là en même temps c'est tellement dans le noir quoi que... d'accord, sauf que là on en revient à l'échelle. Bah, je comprends pas. Ouais, il y a bien la flèche blanche là. Ah, il y avait une bifurcation ici. C'est quoi cette lumière au loin? Ah. Ah non, ça c'est un bug de chargement du jeu. Ok, donc par là, qu'est-ce que c'est que ça? C'est juste une espèce de... puits. C'est drôle les variations de lumière, luminosité.
Oh non. Ah putain, c'est un éboulement. Donc c'était pas... C'est pas par là non plus. Juste essayer de voir s'il n'y avait pas une bifurcation quelque part à prendre à nouveau, mais... Normalement, il fallait suivre les flèches blanches, mais... Mettre pas beaucoup, là. Juste curieux voir ce qu'il y a, là. D'accord, c'est vraiment une sorte de puits, genre un puits d'aération, quelque chose comme ça, probablement. Regarder à gauche et droite s'il n'y a pas un... Et là, soudainement, tout devient sombre. D'accord, et on revient là où on était. Avec là-bas l'échelle. Soyez un peu plus attentif. Bah ouais, mais en même temps, si tu m'aidais à savoir où est-ce qu'il fallait aller, et si t'avais amené une torche, ça aurait été plus simple, quoi. Remarque, moi aussi, si j'avais amené une torche, ça aurait été plus simple. Non mais on revient là en fait. Ça, ça menait à rien. Et ça, ça mène dehors. Oh, j'y comprends que dalle. C'est ce qu'on appelle un labyrinthe. Alors, j'aimerais juste voir par curiosité où est-ce qu'on est. D'accord. L'entrée de la mine que j'avais prise, elle était là. Là, on ressort là-haut. Et l'entrée qu'on a prise, elle était là. Putain, d'accord. Donc, il y a un endroit où il faut passer par là. Parce que si je me souviens bien, le truc en souterrain, il doit être par ici à peu près. Donc. Quand même, refaire un petit peu l'investigation de... Voir s'il y a... Non, il y a vraiment... Il n'y a pas des torches qui traînent à l'entrée des mines, quoi. Merde. Donc, si on va plein sud-ouest. Ouais, là, il faudrait qu'on puisse tourner à gauche quelque part, en fait. Il n'y a pas une galerie sur la gauche, dans le coin? Eh, les champignons. Là on va plein sud. Ouais mais non, il faut qu'on aille par là. Il faut qu'on aille... Non, c'est pas par là. On aille par là. Il va y avoir un endroit où on peut partir sur la gauche. On va essayer de manger la... Ou alors il faut peut-être remonter. Ah, et l'autre qui me... L'autre, hein, forcément. On va remonter pour voir. Non, parce que c'est bien par là, attendez, pourtant. Hein? Moi, je tombe. Ah non, c'est bien ça, il y a une flèche. À moins que ce soit la flèche qui dise par où sortir, mais le truc, c'est qu'après, on voit plus de flèches. Je tourne en rond, c'est insupportable. Ah ! Flèche qui me dit d'aller tout droit par là. Est-ce que je suis là ? Espèce de trou. Regardez où vous mettez. Je crois que j'ai trouvé un endroit où j'étais jamais allé avant. Ah, on a bel et bien une flèche qui nous dit d'aller par là.
là c'est là où je me suis bloqué, donc ça doit être par là. On a encore une flèche, super. Ah. Ok. Je pense qu'on s'approche. On regarde la carte. Ouais, carrément. On est dans la bonne direction là. On entend les bruits des voix. Ouais. Bon, il est avec nous. Ok. Allez. Désolé pour ce tournage en rond un peu. Ça arrive. Ah putain, c'est profond en plus. Vous pensez que c'est par là ou il faut descendre encore plus bas? Non, c'est par là. Yes. Grosse flèche blanche. Ah, c'est par en bas. Oula. Ah, c'est bon. J'espère que l'autre il est là, hein. Échelle. Allez. Il me faut plus de charbon. Encore. Bah là, on est vraiment juste à côté là. Où est-ce que tu poses ça? Mets-le ici. Attention, c'est bon. Et c'est un peu pénible, hein. Je vois pas l'autre derrière, mais s'il faut, ils vont juste le téléporter derrière moi. Bon alors, plutôt... Ouais, par là. Ok. Ouais, c'est par là. Ok. Oh, où il est l'autre? Bon, il va probablement nous rattraper dans la cinématique, j'espère. Passe-moi la pince. Ah bah voilà. Donc on doit pas arriver seul cette fois-ci. Yes. Ok. Putain de merde. Qui êtes-vous et que faites-vous ici? Je suis là sur ordre de l'Hetman Royal, le seigneur Radzik Kobila. Et lui? Ça, ça ne vous regarde pas. Je suis sûr qu'on peut finir par s'entendre. J'ai plein d'argent. Pour commencer, on peut s'entendre sur le fait que vous fermiez votre gueule. Alors effectivement, ça se passe pas pareil. Désolé, il n'y a rien de personnel. Stop! Quoi? Vous voulez le faire? Je vous en prie, moi je n'en tire aucun plaisir. Vous ne pouvez pas le tuer. On m'a donné l'ordre de le ramener à Raté. C'est regrettable. Mes ordres m'obligent à exécuter quiconque sera lié à ce trafic. Vous ne pouvez pas! Je n'ai pas le choix, et vous le savez. Oh non, je vais devoir me battre contre lui. L'autre il va s'enfuir pendant ce temps-là. Pourquoi voulez-vous le tuer? Ah non, merde. Si ça se trouve, il est en possession d'informations précieuses. C'est bien le problème. Oh, joli. Mon maître ne veut pas qu'il tombe entre de mauvaises mains. Notamment celle de Radzik Kobila. Vous pouvez dire à votre seigneur qu'il est mort. Il n'en saura rien. Un jour ou l'autre, si.
Vous pensez pouvoir enfermer cet homme jusqu'au jugement dernier? Pourquoi pas? Ne soyez donc pas naïf. Regardez autour de vous. C'est assez intéressant comme concept. Les taupes et les rats sont partout. Il n'y a pas un seul secret qui ne soit pas en vente. Si je vous le confie, ma tête sera plantée au bout d'un pic avant la fin du mois. On va tenter ça. Vous n'êtes pas obligé de retourner chez les Rosenberg. Comment connaissez-vous ce nom? Maître Feffar a reconnu l'écriture sur votre sauf-conduit. Comme je le disais, nous ne sommes jamais à l'abri des regards indiscrets. Et que me conseillez-vous? D'entrer au service du seigneur Hadzig? Il lui faut des personnes comme vous. Moi au service de Kobila? Hors de question. S'il découvre tous les services que j'ai rendus aux Rosenberg, il me fera pendre au premier arbre venu. J'avais tort à votre sujet. Ah merde. Vous n'êtes pas aussi rusé que je le pensais. Comment ça? Ah merde. Si vous l'étiez, vous ne m'auriez pas dit comment vous saviez que j'étais au service des Rosenberg. Vous avez signé votre arrêt de mort et celui de Feffar. Ça reste à prouver. Oh merde. Bon, et l'autre, on en fait quoi dans ce cas-là? Ok, donc du coup, c'est contre lui que se trouve le tu combat. Tu aurais pu avoir une longue vie prospère. Tu dis ça? Ok. Ah merde. On fait moins le fier maintenant, hein? Scheiße. Oh. Viens donc, gaillard. Ça va être vraiment très très chaud d'arriver à la 20 cette fois-ci. Je pense. Oh putain! Non! Oh là là! Oh non! Oh! Ouf! Me faire face. Oh putain, la contre. Non mais je vais pouvoir faire que des contres. Pour arriver à l'affronter. Alors, ça suffit? Putain, j'essaye de... Oh là là. Catastrophe ce combat. Bon. Le problème c'est que la zone de combat est extrêmement petite. Viens donc, mon gaillard. Oh là là, pile au moment où je l'attaquais, il m'attaque. Et il me contre sans arrêt. Non mais je vais y passer là, je suis en train de saigner. Je vais probablement mourir d'hémorragie. Ouais non, la situation est en train d'empirer gravement là. Je vais te Voilà. Ouf. Ah, il est en train de m'éclater. Voilà. Bon,
C'est super chaud. Et on va voir le chargement de partie. Ouais, j'ai mon schnapps. Donc du coup, je vais devoir... recharger ma sauvegarde. Bon. Ça fait deux fois que je meurs en deux épisodes. Trois épisodes. Ouais, du coup, on va devoir refaire ça. Bon, je vais vous laisser là pour cet épisode. Entre les deux épisodes, je vais retrouver le chemin directement. Et je vous reprendrai, je pense, probablement au niveau du combat, quoi. Donc bon, merci à tous d'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain pour la suite de ce Let's Play. Salut à tous!